À l'école des sous-officiers d'active de Banankoro, nous sommes dans la région de Ségou. 757 élèves sous-officiers du Mali et d'autres pays d'Afrique viennent de recevoir leur passant. C'est une épaulette qui sanctionne la fin de la formation commune de base de 3 mois de la première année à l'ESO. Le reportage est signé Fousseyni Samake. Ils sont 757 élèves sous-officiers d'active ESOA1 de Banankoro, dont 152 personnels féminins, à recevoir les épaulettes appelées passants. Le passant sanctionne la fin des 3 premiers mois de formation commune de base et de transmission de certains fondamentaux de l'armée à l'ESO. J'en suis persuadé que vous venez d'être initié et que vous avez passé avec succès les épreuves. Ils ont pu apprécier par vos rares qualités et corriger les immenses lacunes que vous aviez avant d'oser prétendre rejoindre la famille des grands hommes qui sont les chifis. Ces jeunes de la première année de l'école des sous-officiers sont composés des Maliens et des ressortissants des pays amis Burkina Faso, Sénégal, Guinée-Conakry, Niger, Tchad et Togo. La formation a bien débuté et les cadres et les instructeurs se sont donnés à fond. Bon, l'instruction est à haut niveau aussi. Donc je compte pouvoir partir ici avec une tête bien remplie pour pouvoir répondre les exigences de pourquoi le pays m'a envoyé. Une armée ne vaut que par la qualité de ses sous-officiers parce que le sergent est le premier cadre. Et aujourd'hui nous pouvons dire que le Mali peut encore une fois compter sur ses ressources humaines parce que ces jeunes ont été formés suivant les traditions débutants et surtout entraînés. Rien n'est à refaire, comme on dit toujours, premier fer. La cérémonie de remise des passants de cette 19e promotion de l'ESO a pris fin par un défilé militaire des jeunes de la première année, suivi de ceux des aînés de la deuxième année.